Alors, là, on a donc une démo d'une application, enfin d'une expérimentation d'une application de technologie de navigation sur un Nokia N95 8Go, donc il tourne sur Symbian 660. Et l'intérêt de cette démo, c'est qu'on voit en fait des bâtiments en 3D, et en fait, c'est des vraies photos de bâtiments. C'est pas de la texture habillée, donc c'est des vraies photos. Et c'est des photos, en fait, c'est pas des photos faites du dessus, on voit que le dessus du bâtiment à la Google Earth, c'est on voit vraiment les façades des bâtiments. C'est des photos prises d'avion avec un angle particulier. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est déjà très joli, et c'est très très fluide. On est sur, je rappelle, sur le plateforme Symbian de série 60. Et alors c'est effectivement très joli à l'utilisation, mais c'est très joli à regarder, mais il faut voir à l'utilisation ce que ça donne en voiture. Et ça, c'est une application donc, qui a été réalisée par une société espagnole, Compé GPS, qui fait de très beaux développements, dont un sort qui s'appelle Tunav, qui est à la fois la navigation routière et la navigation tout terrain et avec de l'ortho.